Bonjour à toutes, bonjour à tous, on continue notre let's play, le roi des sables. J'ai fait quelques petites modifications, j'ai pas encore fait beaucoup de petites modifications. On va le repasser en pâte, hein, puisque le courant est revenu, l'ibellule est bonne aussi, on repasse en pâte, le chauve pas terrible, grizzly, Dan, tout cela... Sky, tu passes en pâte aussi. Le drone psychique est encore là pour 0,6 jours. Je m'étais gouré, bien entendu. J'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que il faut quand même faire très attention à ce qu'on fait. Quand on fait une opération, hein, normalement, il faut avoir le meilleur. En plus, j'ai mis... ce que j'avais mis, je crois que c'était vache que j'ai quand même envoyé, alors que c'était normalement à l'eau que j'aurais dû envoyer. Donc on va mettre Sky en médicament, on va mettre Decker en médicament. Pourquoi? Parce que eux, ils ont tout le temps leur petit problème de chétif. Ensuite je viens de modifier ici, bien entendu. Chauve ne peut pas faire de médicaments. Et donc, j'ai mis qui, moi? J'ai mis Allo, j'ai mis... Oh, oui. On peut mettre n'importe qui. Non, parce que je veux pas de Maker, que Maker le fasse. Donc, soit je pouvais mettre Allo, soit Libellule. Les joints, j'ai mis qui? Les joints, on a mis tout travailleur à partir de 6. Mais je vais arrêter les joints. Je vais arrêter les joints. Je pense pas que ça soit rentable. Je regarde un peu lui qui c'est pas rentable. Alors j'ai demandé de couper tout ça. Hein, sert à rien de garder ouvert. J'ai déjà fait bousiller à peu près la moitié des... Donc tout est à peu près mort. Et donc j'ai demandé d'ouvrir la lampe ici par contre. On va pas la mettre en route tout de suite non plus. Et donc pour que je la mette en route, il faut un câble, hein, bien sûr. J'ai demandé à mettre une ampoule ici, bien sûr. Anarchiste, mon pauvre ami. C'est toi qui as un problème? Non, tu n'as plus de problème. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai demandé à Libellule de me faire ceci. Il faut que je vérifie que... Donc si j'ai mis qui? Si j'ai mis... les médicaments, ça sera à l'eau. Donc il faut que j'accepte à l'eau. Il faut que je lui dise, mon cher à l'eau, est-ce que tu peux me fabriquer des médicaments, s'il te plaît? Fabriquer de la drogue. Voilà, 16, c'est bien. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui va devoir faire de la drogue? On va plutôt faire du TP Koé tout court. Et donc de la drogue, je vais demander que Decker puisse faire de la drogue, puisque c'est la cuisine là, le TP Koé. Je veux que ce soit... Dan ne peut pas. Allo peut le faire, Maker non pas trop, mais je vais demander que... Allo, t'es où? Voilà. Allo, drogue. Grizzly aussi. On a Grizzly qui peut en faire. Voilà. Je vais demander à le show, mais bon, même s'il est à 5, c'est pas grave, il ne pourra pas en faire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'autre, nos petits enfants? Tout le monde est endormi. On reprend tout, oui, c'est tout à fait exact, petit castor qui vient de me mettre un commentaire que je viens juste de lire avant de lancer. Effectivement, on a un petit pépin, il semble qu'il y a un petit pépin au niveau des membres bioniques. Des membres bioniques, normalement il y a toujours un pépin, un risque de mort. Par exemple, normalement comme il... change la colonne vertébrale, le quinquet, il y a normalement une mort. Et effectivement, j'ai aussi risque de mort en cas d'échec. Et c'est partout la même chose. J'ai regardé la
la moitié des membres bioniques à ajouter, alors que normalement, oui, on peut mourir, bien entendu. On peut mourir. On peut tout à fait mourir s'il y a un pépin. Donc ça, je crois que c'est fini. Le drone psychique est fini dans 0,3 jours. On va augmenter la vitesse, on ne va pas rester à cette vitesse-ci. Alors, j'ai demandé à nettoyer un petit peu partout, là, parce que c'est un petit peu trop crade ici. On va donc, pour le moment, un petit peu nettoyer. Libellule, logiquement, libellule. Ah, je t'ai changé, donc tu pourras jamais me faire ce truc. Donc, je te mets ici, ma belle. Voilà. On va laisser les gens terminer ça. Ça, c'est fermé. Ok, on va commencer à autoriser. J'ai demandé, il faut que Maker travaille, parce que sinon il va repasser en dessous de 2. Tu fabriques un composant, ça me plaît beaucoup, oui. Et puis tu peux aussi me faire Bégonite sauvage en Diabetov. Et uniquement en Diabetov, ouais. Donc je vais aussi te remettre en route. Pas le manteau, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, c'est uniquement le trumbo et la guenille sauvage. Je vais te la mettre aussi. Donc, comme ça, Libellule peut également faire autre chose. Ceci, on va le réinstaller ici. Et je vais demander à Anarchiste de le faire. L'avantage, que même s'il n'a pas le droit de venir ici, normalement, Anarchiste n'a pas le droit de venir ici, mais il peut quand même, si je lui dicte le travail, il peut quand même venir. Donc ici, on va commencer par mettre tout effacé. On va, là, je suis obligé d'arrêter le jeu. Donc, je veux, dans les produits manufacturés, je veux du tissu. Et je veux de la neutroamine pour faire les médicaments. Donc je demande à notre petit ami ici de transporter ça et de transporter des... Donc ça, je t'ai demandé de faire. Transporte neutroamine. D'accord, il faut que j'augmente la priorité alors, si je ne me trompe pas. Critique, Anarchiste, non, tu veux pas me transporter, j'ai mis tissu, donc on va descendre celle-ci, c'est un petit peu gênant ça, si je te mets en priorité basse, est-ce que tu vas m'accepter de transporter du tissu, voilà, là il veut bien, amusant ça, il faut mettre en basse. Ok, Jean, tu vas me faire forage en transport. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Ok. Où es-tu passé, mon ami Anarchiste? Tu devrais normalement venir me mettre de la neutroamine. Je t'ai demandé la neutroamine, où est-ce qu'elle est? Ah, où est-ce que tu m'avais fait ça? Ok, donc maintenant on repasse en normal, ici. Parfait. Ok. Alors, le TPKOE, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'en fait? Toi, tu fais du plat, ok, des plats riches, des plats raffinés. Et le TPKOE, j'ai mis quoi? J'ai mis tout travailleur à partir de 6. C'est parfait. L'onde psychique s'est arrêtée. Nice. On peut enfin remettre, enlever ça. J'ai demandé à que Sky passe en mêlée. Et que Anarchiste passe dans l'autre.
Alors, on voit ici qu'il s'est mis un. On vient de se faire un buffalo en diable d'étoffe. Mais je voudrais plutôt que ce soit les mecs costauds qui me mettent ça. Mais on va laisser ce monsieur finir. Quand il revient dans le coin, bon, on va. Et t'as quoi comme manteau en plus? Avec un manteau de Trumeau. Dommage que c'est que bon. Mais ça lui donne maintenant un sacré paquet de. Au niveau du torse, par exemple, il a 32 en plus. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Donc là, je suis à 73 degrés. Ouais, bon, on va laisser comme ça. Petit à petit, on va y arriver. Hein. Qu'est-ce que tu me fais, mes cœurs, là? Tu as fini, je suppose. Tu fais de la relaxation sociale. Eh bien, j'ai également besoin qu'on me rallume ceci. Et on va refaire des... J'ai demandé que ce soit uniquement elle qui me fasse ça. Donc, Libellule, tu viens faire ça. Ah bah, t'es reparti ailleurs. On va refaire un petit fauteuil, je crois, pour la petite demoiselle. Un mobilier. Un petit fauteuil. Qu'est-ce que je peux faire comme, est-ce que j'ai assez de cuir d'oiseau? Je n'ai pas assez. Est-ce que j'ai assez de cuir de lézard? Ouais, petit cuir de lézard. C'est... Bon, on va lancer là. Combien est-ce que j'ai? Donc ça, c'est OK. Ici, c'est les composants. J'en ai 9 de composants. J'ai 9 composants. On va aller creuser... Non, on va finir ça. Alors, petit à petit, on va y arriver. Normalement, toi, tu n'as pas de courant. Hein, n'est relié à aucune source d'alimentation. OK. Donc, on va autoriser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça me plaît bien si c'est ici. Des loups arctiques. Non, c'est pas ici. Donc on se prend 5 loups arctiques qui ne nous servent strictement à rien. On n'a pas eu de chance, hein, les trumeaux deux fois ici. Et le loup arctique à 40 degrés. Donc tant pis. Dommage parce que j'aime bien la fourrure de loup. Elle est très pratique. Alors, comment est-ce qu'on tourne avec là, ici? Là, je gagne, hein? Ok. Ok, donc normalement... Maker, tu me fais quoi? Ça, c'est pas normal, ça. Fabriquer un composant. Ici, ça devrait être Maker. C'est bien Maker. Alors, pourquoi est-ce que tu transportes? T'as rien à foutre là, mec. Qu'est-ce que c'est qui se passe? T'as plus de matériaux. D'accord. Il n'y a plus d'acier. Ben si, il y a de l'acier. Qu'est-ce qu'il faut pour faire? Ah, t'as besoin que 12 aciers, quoi. J'ai compris. Regardez, là, voilà le problème qu'il y a. D'accord. Alors, j'ai pigé. On n'a plus assez d'acier, donc on va un petit peu diminuer
pour le moment, on va couper ça. Et couper ça. Et on va aller creuser. On va bien trouver un petit peu de... On va bien trouver un petit peu d'acier ici, quelque part. Et puis on a mon ami Maker qui va venir me faire quelques... Ici, on va ouvrir. Et on va te demander d'échiqueter, D'accord, viens ici. On n'a plus assez de trucs. Ok. Donc ils ont tous, ils peuvent tous repasser maintenant en pâte. Excellent. Donc maintenant, Maker, je suppose que tu es parti me faire quelques mécanoïdes. Parfait. Et comme ça, tu vas pouvoir continuer. Ok. On a un iguane qui s'est laissé apprivoiser. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce truc? Ici, ça, ben c'est bien ça. Insignation. Animaux. Iguane. Abattoir. Alors, notre petit quête là, il n'est pas encore fait. Hein, on va encore attendre un peu. Alors, tu fais quoi? Tu dresses un âne. Vas-y. Ça va tellement vite que même Maker perd du... Comment vais-je dire? Perd de l'expérience même en faisant ça. Il gagne un petit peu d'expérience, mais ça va tellement vite pour lui qu'il perd quand même. Ok, il est reparti. Donc ici, on va pour le moment le couper. Pour le moment. Ensuite, on va couper tout ça, désactiver. Désactiver. Voilà. Ok, parce qu'on va pas faire ça du tout, on va attendre de finir nos trucs complètement, c'est pas la peine de lancer tout tant que j'ai pas assez. Il y a quelque chose qui est bizarre, il m'en manque un. Alors, inspiration pour le dressage, Bud. Alors, il y a l'apprivoise et le dressage. Donc, Bud, tu pourrais apprivoiser... Ah ben non, c'est trop tard. Il n'y a plus rien à apprivoiser, mon ami. Si jamais il y a un trumbo, mais non, même pas Bud, c'est même pas la peine de rêver. Alors, où est-ce qu'il est, notre iguane? Il est là. Donc, l'iguane, il meurt. Parfait. Voilà. On a un petit peu Maker. Donc, tu observes les nuages à l'extérieur, c'est bien. Allez les gars, trouvez-moi un peu une veine d'acier. Il y en a partout sur la map normalement. Bon, on a de nouveau tout ce qu'il faut. Ici, je n'ai plus de... Inspiration pour le dressage, ok, ça c'est fait. J'ai également coupé la petite truc ici, ça ne sert à rien à garder. J'ai demandé à changer aussi, j'ai mis de la patate ici. Et donc,
à l'eau normalement que me fais-tu? Tu devrais me faire à manger quand tu as fini de jouer aux échecs, je crois. Rien. Bien entendu, tu trais avant, ce qui est logique. Et après, tu dois me faire quatre plats simples, c'est bon. Un fournisseur militaire. Au fait, genre, tu me faisais quoi, toi? Tu médites. Tu arrêtes de méditer, mec. Dans tous les cas. Ok, on va appeler le fournisseur militaire. Ah non, c'est pas ça. Il est là, le fournisseur militaire. Il est ici au-dessus. Bon, on verra après. On verra après. Et un grossiste, le pacte magique. Un grossiste et un fournisseur en même temps. Je crois que c'est le moment d'aller. On n'irait pas ouvrir ce truc? Non, je crois qu'ils vont passer par ici. Mais ça fait un petit temps que j'ai pas eu d'attaque, moi. C'est pas normal ça. D'habitude, les attaques, on en a plein 5 jours. Donc on a notre cadeau, c'est fait. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste un 85 seulement d'acier. C'est quoi là? Je vois plein d'animaux verts. On a des poules. Montre-moi un peu ça. Non, c'est pas à nous. Ils vendent des poules. Est-ce que je voudrais acheter des poules? Non, je préférerais acheter des vaches. Je préférerais acheter des vaches s'il y a besoin. Alors, toi, tu es déconnecté. Est-ce que l'énergie, on a heurté du métal, c'est parfait. Comment va mon énergie? Moins 1802. Parce qu'il n'y a plus de lumière et il y a de plus nouveau, rien du tout ici. Donc, on est un peu juste. On est un peu juste. Tu vois, moins 2000. On va faire une. Bon, je crois qu'on est bon au niveau de ça. Ça me semble pas mal. Et dans tous les cas, s'il y a un pépin, je peux mettre quelques trucs de riz ici. Donc on va. Faire une raffinerie. On va faire une raffinerie ici. Bon fauteuil, qui est-ce qui aurait besoin d'un meilleur fauteuil? Excellent. Normal, on s'en fout de ça. Là, on s'en fout si ça va tellement vite. Excellent. Et pour le moment, c'est pas très grave. Ici, c'est quoi? Elle est bonne seulement. Et ici? Elle est bonne. D'accord. Donc on va la désinstaller et on la mettra là. Donc si j'ai pas assez de jus,
Encore une. Allez, quoi. J'en ai encore. J'en ai eu, je sais pas combien, mais j'en ai beaucoup, ça c'est sûr et certain. Vague de chaleur. Bon, ça devrait faire 50 degrés, ça va. Alors, comme je disais, on regarde un petit peu ici les ordres de minage. Voilà. Ça ne nous aide pas beaucoup tout ça. Ouais, voilà bas. Je vais laisser la porte ouverte ici et ici aussi. De métal. Alors, des cobras. Ah. Des cobras, des ours polaires. Des composants avancés. Mais t'as rien, mec. On va te vendre des trucs. Alors on a un lanceur de fumigène normal, un lanceur de fumigène bon. On va en garder deux quand même. Fusil de précision normal, je vais les vendre. Normaux, pardon, puisqu'il y en a deux. Un pistolet mitrailleur lourd normal à 53. Je vends. Alors, des pantalons, t-shirt, manteau en tissu, c'est tout ce qui est mal foutu. Ben, c'est bien ça. Alors, en cuir de dromadaire normal, on va le vendre. Guenille sauvage en tissu. Ensuite. T-shirt en synthé, ça fait des sous, ça, c'est bien, c'est même très bien, je dirais. Tissu excellent, on la vend aussi, et tissu excellent, on la vend. Manteau en tissu, on vend. Manteau en tissu, on vend. Manteau en tissu, on vend plus. On vend pas trop quand même, parce que sinon on va dépasser le truc. Veste en synthé, on va vendre ce qui nous gêne le plus. Chapeau de cowboy en tissu, 1203. Est-ce que je peux t'acheter quelque chose d'intéressant, toi? Alors, des ours, je ne pense pas qu'un ours soit rentable. Non, 40 degrés, on l'oublie. Le cobra, il ne peut pas transporter, il ne peut rien faire. Par contre, il ne bouffe rien. Tout de suite, là, ça, c'est insignifiant ce qu'il mange. Le seul problème, ça veut dire qu'il doit manger, il ne peut manger que du raw, que deux trucs de viande, par exemple. Vous n'avez pas lui filer un. Ah si, 0,9, vous pouvez lui filer un plat. Mais enfin, soit, ça donne des œufs. Et puis ça attaque bien, mais comme on a à peu près que des mécanoïdes, on s'en fout, bien entendu. Voilà, tu ne vends vraiment rien. Ok, encore. Bon allez, pas trois en même temps, quoi. C'est vraiment mal foutu, quoi. Et après, j'en aurai plus pendant 2 mois ou 4 mois.
un vaisseau commercial. Okay. Donc Jean continue avec toi. Viens dire bonjour à Vassalo, le grossiste, et puis tu me prendras l'argent. Voilà. Alors, toi tu me vends les coquins et les poules. Ah, je peux vendre des dromadaires, je peux vendre du pemmican. 1,05. Je peux vendre de la viande d'OGM, les trois qui restent. Ok. Tu vois, le lait est à 2,33, ce qui n'est pas mal. Alors qu'il est équivalent à la viande et qui tient plus longtemps. Là, je l'ai d'insectes 6, c'est très bien aussi. J'ai mes œufs ici que je peux vendre. Que je crois que je vais vendre. Autant, hein? Tu ne me vends pas de composants, j'ai du tissu. Tu me vends de la laine de buffalo, tu me vends du dromadaire, tu me vends des herbes médicinales, tu me vends du bois, moi aussi je peux t'en vendre, et je peux de nouveau vendre tout ça aussi. Mes chapeaux, 1900 de nouveau, c'est beaucoup trop. Et donc on redescend dans nos prix. Donc ça on oublie. On oublie je peux encore faire du 40. Eh bien, voilà, 40. 991 pour 991. T'as le droit d'en prendre que 500, mon petit. Ouais, faut croire, hein. Bon, c'est pas grave. Mes animaux peuvent y aller, normalement il n'y a pas de problème à ça, je crois. L'architecte, j'ai un petit peu modifié de nouveau, j'ai diminué un bon paquet de zones. Alors, les carnivores et les herbivores. Vous pouvez venir ici aussi les gars. Voilà. Ok Jean. Maintenant tu viens ici. Le transporteur chou, c'est sympa ça.
facteur de guérison. Alors, qu'est-ce que tu vends? Ça, c'est intéressant. Ça, tu n'en vends pas. Les médicaments, j'en peux en faire. La pénoxicilline, ça va. Les obus, non. Ça, c'est possible que ça m'intéresse. J'ai une glande, j'ai une jambe arcothèque, massue en bois. J'ai un glaive en métal que je peux vendre pour 21, ça me convient. J'ai une masse en uranium que je ne veux pas vendre. J'ai un revolver à 11, je ne vais pas le vendre. Fusil à pompe, je le garde. Un lanceur de fumigène. Normal. Alors, oui. Tu me vends une grenade, un IEM, c'est pas mal. Des pantalons, on s'en fout. Une armure de plate en plastacier. Si elle était médiocre, ou vraiment très mauvaise, tu vois, à la limite, tu peux acheter pour la fondre, mais pas là, non, certainement pas. Un casque simple ici, un chef-d'œuvre. Non, je peux faire tout ça moi-même. C'est trop cher pour moi. Et de l'or, tu ne m'en vends pas. Donc, je ne peux faire qu'une chose, c'est te vendre des trucs et t'acheter ça, à la limite. On va acheter la grenade IEM. On va t'acheter les composants. Et on va essayer de te vendre des trucs. J'ai pas grand chose d'autre à te vendre. Ou alors je me prends le schéma technique ici. Activateur de cicatrisation naturelle des plaies, coagulateur, taux de saignement, ok, on oublie un petit peu, pas vraiment besoin de tout ça. Ouais, je peux rien te vendre d'autre. Voilà, ouais, je peux rien te vendre d'autre. Qu'est-ce que je t'ai acheté? Ça me coûte si cher. La grenade, bah ouais. On va pas prendre la grenade. On va plutôt uniquement prendre ça. Voilà. On prend juste ça, mais je les ferai moi-même, la grenade. Accepter. Et donc, ouais, on a tout ce qu'il faut. Ils font quoi, mes gens? Ils dorment tous. Ça, c'est bien, les belles. C'est bien, ma belle. Donc, attention, j'ai nous maintenant, non, oui, j'ai 13 composants. Ça veut dire que Decker ne va plus m'en faire. Et donc, je voudrais bien me faire quoi, en plus? Ouais, ça va s'arrêter. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Une truc IEM. On pourrait se faire une armure, mais j'aurais bien voulu que
J'ai une, deux, trois armures. Pour le moment, ça va, je veux dire. On va allumer ceci. Et on va se faire un peu de gilet pare-balles. Au moins un ou deux. On va s'en faire deux. On va s'en faire deux. Voilà. Ensuite, j'ai besoin des boucliers d'énergie. Ça serait intéressant aussi dans le cas où on rate notre coup un petit peu. Combien ça me coûte ça? Deux composants, 20 plastes d'acier. Et une grenade IEM. Une grenade IEM me coûte combien? 6 composants. D'accord. Ok, bah tu vas t'amuser, mon ami. Monsieur le chauve, vous allez continuer à faire votre petit travail tranquille. On fait OK. Maintenant, il va aller faire du. En 36. On va regarder un petit peu pour le moment le métal. Ok, on va juste demander de réinstaller ici, bien sûr. Et c'est Bud qui va me faire ça. Et puis on va amener ça aussi parce qu'on est un peu loin. Et Madame Bud, merci de nous faire ceci. Qui va aller beaucoup plus vite. Ah, encore du métal. Ce qui est bien, c'est quand vous avez une veine de métal, elles sont souvent assez grandes. La cavane se tire, oui, bah tu tires. Maker, net ici, l'autre il me fait ça, c'est bien. Ah oui, ma vague de chaleur, je suis à 44 degrés donc ça va. Hein. C'est juste un point trop haut pour avoir le maximum. Voilà, non, 85%. Le transporteur est parti. Tout le monde est parti. Allez, salut tout le monde. Est-ce que j'ai mes sous? J'ai pris mes sous. Ah non, mes sous, ils sont ici. Ils sont partis aussi. Bien. On va rouvrir un petit peu ici pour les animaux. Et les blancs avec. Là, on fait comme ceci et on fait la même chose pour les carnivores.
là. Et on virera tout ça après. Ici, par contre, ça, tu vas pas venir te promener par ici. Un chef-d'œuvre. Un gilet pare-balles chef-d'œuvre, c'est parfait. Donc les gens vont commencer à les mettre, ça devrait se faire. Ensuite, on va, dès qu'il a terminé de faire ces petits bidules là, on va envoyer quelqu'un pour virer les vieux. Un dromadaire est enceinte, oui, c'est bien. Mais je ne peux pas y faire grand chose. Ils ont tous à manger. On a toujours 6 composants. On va un peu laisser faire pour l'instant. Il fait 50 degrés. Il fait ça. J'ai vraiment pas. Il n'aime pas le jeu. Au niveau de la température, hein, je parle. Au niveau de la température, il m'a jamais aimé. C'est la 3e vague de chaleur cette année-ci, donc. Ici, on n'a aucun problème pour tenir. 8. Intérieur 26. Attention, il fait peut-être trop chaud maintenant. Là, je suis à 20, à 18. Ici, je suis à 24, ce qui est toujours valable. 24, 24, tout est bon. 22, ok, ça va. Ici, quelle température? 26. Un petit instant, je donne mes ordres de minage ici. Alors c'est important d'aller assez loin, profond dans la montagne. Parce que les infestations, plus vous êtes profond dans la montagne, plus elles ont de chance de se faire là-bas. Ici, par exemple, j'ai un peu de chance d'en faire. Ici, pas trop parce que je suis près du bord. Ici, je ne devrais pas en avoir de problème. Et donc voilà. La vague de chaleur, elle devrait bientôt s'arrêter, j'espère. Alors, on a quoi? Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est fait. Une météorite. Non. Je sais, ça. Dommage, je l'ai enlevé. Oui. Ça, c'est excellent, bien sûr. Hein. Ça, la recherche, il faut que je la coupe pour l'instant. Pour gagner un peu de jus. Ça ne sert à rien pour le moment. De faire ça, tac, je ferme. Je crois que j'ai construit ceci. All right. Et j'ai enlevé la chaise. Donc ça, pas que j'oublie de faire mon petit travail, moi. Voilà, je te remets là. Ensuite, il me faut une copie de ça, mais en quoi? On va regarder tout de suite qu'est-ce que nous avons en cuir. J'ai rien en cuir. Donc, il faut que je le fasse en tissu. Il faut que je me fasse un fauteuil en tissu. Fauteuil en tissu. Voilà. On va le positionner ici. Parfait. Fais attention, parce que ça part quand même assez vite, le tissu. Nous en sommes en... 650, il m'en reste 3. Et il m'en restera encore un peu là-bas au-dessus. Ok, ça va. Donc on va ouvrir les 3 ici. Et le 3e. Voilà. Après on pourra lancer. Ici, j'ai besoin. À la raffinerie, je souhaiterais qu'on me fasse du chemfuel à partir des matières organiques. Et on va demander que tu me fasses ça avec de la chair humaine.
avec de la viande d'insecte. Oui. Et puis de la viande d'iguane, c'est bien. Donc ça, c'est en premier lieu. Ok. Qu'est-ce que tu me proposerais d'autre? Ah, on peut même faire avec ça. D'accord. On va réduire quand même un petit peu. Alors, qui est-ce qui peut me faire ça? Il n'y a personne qui est... Donc, n'importe qui peut le faire. J'ai besoin de 4,5 par jour. Et je peux en mettre 75 dans une case. Je peux en mettre 75 dans une case. Je crois que je l'ai fait par 25 ou par 35. Je ne sais plus. Attends, ça consomme 70. En raw. Et je crois que ça doit en faire 20 ou 25. Écoute, on va dire que j'en fais... on va faire 45, c'est bien. Non plus. Disons qu'on en fait 50. Voilà. Et on reprend jusqu'au moment où... donc j'en veux 50. Et je veux que tu reprennes quand je n'en ai plus que, mettons 40, pourquoi pas, 18, tiens, voilà, comme ça, n'importe quoi. Bon, pour le moment, je laisse là, tout travailleur, ok, et on va créer une petite zone ici. De stockage, on va la mettre ici. Je pense que ça serait pas mal. Alors celle-là, je sais pas ce que ça fait encore là. Donc ici, ça sera une zone, disons, haute. Tout effacé. Je ne veux que du camphure là. Du camphure, le voilà. Et on va l'appeler H-camphure. Voilà. H-camphure, ok. On revient ici. Je veux que ce soit du camphure. Voilà. Donc ça, c'était ma viande. Il n'y avait pas grand-chose. Et puis, donc ça, je bloque. Donc si jamais il y a de la viande, tu commences par ça. On te copie, on te colle, et on refait la même chose. Mais plus avec... si on peut garder toujours la chair humaine, tous ces trucs-là, mais on va ajouter toutes les viandes. Toutes les viandes, voilà. Parfait. On ferme. On copie. On colle plutôt. Voilà. Et cette fois-ci, ça ne va plus être les viandes. Tout effacé. On garde quand même, on ne sait jamais. On peut toujours la garder, ça ne dérange pas. De toute façon, ça ne dérange pas. Et on ajoute des végétaux. Et je souhaiterais... pomme de terre, c'est à l'autre bout de la ville, donc on va le mettre là, comme ça. Je pense que c'est parfait pour moi. Ok. Voilà. Est-ce que tu as du courant? Normalement, tu as du courant, sinon j'aurai une petite étincelle au-dessus. On va également creuser un petit peu. Donc, on va se faire une petite zone ici. On va faire ça pour mettre nos génératrices.
On va également aplanir. Voilà. Alors, oui, j'ai une quête. Alors, 3 jours, elle disparaît. Qu'est-ce que tu m'offres? 11 de faveur. Oh! De faveur. Ok. Quelle taille? Et où? Nexus. Ok. 15 x 19. Je vais pouvoir le faire. Ça. Et est-ce que je dois le garder? Je n'ai pas gardé. Attention, excusez-moi. Est-ce qu'il faut que je le garde? Si ce moment dans les 15 jours. Ok. On va se prendre la faveur royale. Et on va la donner à quelqu'un d'autre. Comme ça, moi, ça m'intéresse d'avoir plusieurs personnages. Non pas un seul qui devient très fort au début, mais plutôt la plupart de mes personnages qui aient des talents psychiques. Autant d'avoir 4 ou 5 qui peuvent stunner qu'un seul, je pense. Non, vous croyez pas? Je crois que oui. Je crois que ça sera plus intelligent. Je sais plus. Oui. Cette quête-ci a disparu quand? Dans 3 jours et demi. 15 x 19. 15 x 19. Donc, 15 x 19. Ah. Je veux faire 15 x 19 comme ça. Ah. Oui, ça c'est un petit peu plus gênant. Je peux le faire ici. 15 fois 19. Non, je crois. Hein. Tu me donnes quoi, toi? Hmm. 15 fois 19, c'est beaucoup. Hein. Rush. Bah, je peux agrandir. Hein. J'agrandis ici. Je vois pas beaucoup d'autres solutions pour mettre un 15 x 19. 15 x 19, ouais. Il va falloir agrandir ici. Un truc dans le style. Voilà. Il faut que je le fasse ici. En 15 x 19. On va le faire comme ça. Ok. On va ajouter ça. Et donc il va me falloir 16. Il reste 17 moi, mais... Allez rouler. Allez rouler, mes petits. Eh bien, ça m'en fait des... C'est des quêtes faciles, ça, mais j'ai jamais de quête avec... pour avoir 5 mecs qui viennent me dire bonjour, ça, c'est un petit peu plus dommage. C'est un petit peu plus dommage. Avoir 5 mecs en plus, c'est sympathique aussi, hein. Ou en avoir 9 d'un coup, c'est pas mal non plus. Toi, tu vas rester... Ah mais... T'as vu, malgré qu'il y ait la vague de chaleur qui fasse 40 dehors, là, il fait que 22, avec une seule porte bêtement là.